Allez, salut les gars, voilà, c'est moi le Samos Pita, et là vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes là pour la bourse de l'Irlande, et vous devez savoir que cette bourse là est disponible dans plusieurs universités en Irlande. Donc les étudiants qui veulent postuler comme ça cette bourse là, vous devez savoir que vous devez avoir un diplôme de licence, voilà. Et si vous n'avez pas encore eu de diplôme de licence et que vous avez une licence 3 aussi, voilà, vous pouvez essayer au moins de postuler. Et cette bourse-là, en grosso modo, ça veut dire que cette bourse-là, comme ça, prend en charge tous les frais de scolarité, tous les frais qui sont liés aux frais de scolarité aussi, et tous les frais qui sont vraiment liés à l'université et à la vie là-bas en Irlande. Ça veut dire que la bourse est 100% financée. Voilà, donc de votre départ, depuis votre pays jusqu'à ce que vous arriviez là-bas, voilà, vous n'avez rien à payer, vous devez juste ce que vous devez faire, vous devez juste postuler et c'est tout. Voilà, donc, comme je l'ai dit, la bourse concernant le master, donc ceux qui veulent faire la licence, vous pouvez juste postuler pour une admission et postuler aussi dans des bourses qui sont à l'intérieur des universités, mais en licence. Voilà, pour cette bourse-là que je suis en train de faire, c'est pour ceux du master. Donc, dans un premier temps, si vous voyez l'écran qui est là, je vous ai envoyé directement ici pour ne pas que vous ayez à vous trimballer depuis la première page. Donc, je vais mettre le lien en commentaire pour que ceux qui sont intéressés puissent au moins essayer de postuler. Et si vous avez des difficultés, vous devez savoir qu'on suit aussi les dossiers étudiants pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc. Ici, par exemple, comme ça c'est pour ceux qui sont déjà enregistrés. Si vous êtes nouveau, vous venez là dans Sign Up, ici, pour venir créer votre compte et aussi essayer de postuler pour la suite et créer votre application. Donc, ici, comme ça c'est le mail que vous avez et ça, c'est votre mot de passe. Voilà, donc je vais mettre en français, c'est mieux comme ça tout le monde aura son gain. Donc, je mets en français rapidement. Pour voir si ça va passer, et puis voilà, donc c'est bon, je crois. Donc, ici c'est le mail, et là c'est le mot de passe. Donc, le mot de passe doit contenir au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre, voilà, et doit aller entre 8 et 32 caractères. Et il ne doit pas s'agir du nom, adresse, email. Bon, ça on le sait déjà. Donc, ici par exemple, comme ça, moi je mets le mail que j'utilise à chaque instant pour pouvoir postuler à ces bourses là. Donc, ici, ok, et là je prends un mot de passe. Voilà, n'oubliez pas, vous devez respecter les éléments qui sont là pour le mot de passe. Donc, si ça ne passe pas, vous devez savoir que voici la confirmation ici. Donc, ici, une fois que vous commencez à remplir, vous voyez que il y a des coches qui se passent là, ça veut dire que c'est vous respectez cela. Voilà, donc on s'en va. Ok, vous voyez que j'ai déjà mis ça, donc ça veut dire que c'est complet, tout est en vert, donc ça va. Donc je répète ça ici. Ok, donc je peux avancer maintenant. Ici, veuillez cliquer pour certifier que vous comprenez et acceptez l'avis du collecte. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi essayer de lire ce qui est là. Ok, mais nous sommes là pour aller un peu plus vite. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez lire là, c'est pas un problème. Ici, type d'information requise, données personnelles, notamment le nom, adresse, la nationalité, coordonnées du sexe, tout ça. Bon, donc vous pouvez lire, c'est comme je vous l'ai dit, ça ne gêne pas. Donc, nous, on va s'inscrire rapidement pour ne pas que la vidéo perde assez de temps. Ok, donc on attend.
Ok, donc ici, on dit la première étape, attendez que je mette en français. Ok, donc, dans un premier temps, étape 1, utiliser plus, voilà, créer un profil pour commencer, c'est-à-dire ce qui est là, vous allez cliquer là. Et étape 2, utiliser plus, commencer, pour saisir les détails de votre première offre, utiliser plus, ajouter autre. Pour saisir les offres supplémentaires que vous avez reçues, chaque offre est évaluée séparément. Chaque offre doit donc contenir un exemple complet d'informations. Veuillez cliquer ici pour obtenir des instructions détaillées. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez cliquer là, vous allez recevoir comme ça un guide. Voilà, pour que vous puissiez suivre la démarche pas à pas. Voilà, donc je le dis à chaque instant, vous voyez ici. Ils ont bien détaillé, donc vous n'êtes pas obligé de vraiment de vous fatiguer. On vient de faire ce qui est là, on a fait un sign-up. Voilà, on a coché ce qui est là, on a fait un sign-up, on a fini. Arrivé là, qu'est-ce qu'on fait? On vient loger dans notre parcours. Où est-ce qu'on est arrivé actuellement? Vous voyez, on sommes là. Donc, on peut cliquer là pour pouvoir déjà commencer notre procédure. Vous voyez, quand on clique là, on commence notre procédure ici. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé un peu d'expliquer là. Donc, vous voyez ça. Voilà. Donc, on vient là. On crée notre procédure. Ici, étape 3, on remplit tout ce qui est là. Après ça, on fait Get Start. Voilà. Et donc, je crois que c'est cet élément-là qui va vraiment vous intéresser. Et au fur et à mesure que vous avancez, bon, comme je l'ai dit, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, je ne crois pas que ça, vous ayez un problème par rapport à ça. Donc, jusqu'à la fin et vous soumettez. Mais vous allez soumettre jusque après que vous ayez tout complété, sans seulement que vous allez soumettre. Voilà, donc c'est assez important. Ok, donc après ça, ici, une fois que vous soumettez, vous pouvez maintenant ressortir vers le haut en ce qui concerne la déconnexion. Voilà, donc ici par exemple, nous on va aller comme ça, essayer de mettre quelques éléments. Voilà, donc ici, je mets. Le nom, prénom, bienvenue dans le programme de bourse d'études internationales du gouvernement irlandais. Donc, je mets le prénom ici, je mets mon prénom, je peux mettre Dika par exemple, et puis le nom, je mets Pega. Ok. Ici, avez-vous une offre finale ou conditionnelle d'une université irlandaise? Non, nous, on n'a pas de. Voilà, n'oubliez pas, regardez ici, veuillez saisir votre nom de famille tel que sur votre passeport. Voilà, donc ici, nous n'avons pas encore d'admission, donc on met non. Voilà, et ici, avez-vous une offre d'études en tant qu'étudiant, en temps plein et payant hors UE? Je vais vous montrer un élément qui est vraiment assez important. Avez-vous une offre d'études en tant qu'étudiant, en temps plein et payant hors UE? Voilà, donc moi je mets non. Il est ici, merci de votre intérêt, mais vous n'êtes pas éligible pour postuler à ce prix-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, avant de pouvoir arriver à ce stade-là, vous voyez, vous devez déjà saisir vos coordonnées sur une université là-bas en Irlande. Donc pour trouver les universités en Irlande, vous allez sur Google, vous tapez les universités en Irlande, vous allez avoir la liste des universités. Et n'oubliez pas, je vais comme ça essayer de vous donner un peu les universités qui participent comme ça à la bourse. Comme ça, vous allez les utiliser. Et lorsque vous allez aller sur Google, vous allez les utiliser facilement. Voilà, donc il y a presque toutes les universités. Il y a le Collège américain de Dublin, il y a l'Institut de technologie d'Alton, il y a le Collège de technologie d'informatique à Dublin. Donc, la plupart des universités qui sont à Dublin sont intéressées par cette bourse-là. Voilà. Et il y a l'école de commerce de Dublin. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est pour juste vous montrer comment est-ce qu'on passe sur la bourse. Voilà. Mais, néanmoins, on va aller sur une université là-bas à Dublin ou bien une université en Irlande. Et de là-bas, on va postuler pour que, après, vous puissiez revenir ici pour venir poursuivre. Voilà donc, mais néanmoins, ici ce qu'on va faire, on va. Ici on dit, avez-vous une offre d'études en tant qu'étudiant à temps plein et payant hors?
Donc, on va d'abord créer notre profil. Voilà. Je vais essayer de créer notre profil. Mais n'oubliez pas, c'est très, très, hyper, hyper important. Lorsque vous allez arriver ici, vous allez modifier le profil. Ça, c'est lorsque vous allez obtenir comme ça une offre finale ou bien conditionnelle d'une université en Irlande. En ce moment-là, vous allez changer, vous allez mettre 8 ici. Voilà. Et si vous mettez 8, en ce moment-là, vous serez éligible pour la bourse. Voilà, donc c'est assez important. N'oubliez pas, c'est hyper, hyper important. Donc, ici, avez-vous une offre d'études en tant qu'étudiant à temps plein? Voilà, et payant hors UE, vous mettez 8. 8 ici et 8 là. Ça, c'est lorsque vous avez des admissions. En ce moment-là, voilà, vous pouvez déjà commencer à compléter votre situation de bourse dans cette université que vous avez choisie là-bas. Voilà, parce que lorsque vous êtes éligible ici, est-ce que vous avez la bourse? C'est l'institut qui est là et va envoyer votre recommandation ou bien votre condition de bourse à l'université où vous avez postulé pour dire que l'étudiant qui est ici, l'étudiant étranger qui est chez vous, a une bourse. Donc, c'est nous qui prenons en charge tous ses frais. Donc, l'étudiant est vraiment au beurre, l'étudiant est vraiment à l'aise et ne paye absolument rien. Voilà, donc, tout à l'heure, regardez dans les commentaires. Il y a la manière de postuler pour une université là-bas à Dublin pour ceux vraiment qui veulent chercher déjà à postuler dans une université là-bas, avoir une admission et l'utiliser sur cette plateforme-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour tous ceux qui m'ont demandé de faire cette vidéo-là, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous devez savoir que d'abord, vous devez chercher une admission dans une bourse, dans une université. Ensuite, revenir ici pour pouvoir essayer de postuler à la bourse. C'est hyper important. Donc les gars, je vais reprendre une autre vidéo où je vais continuer. Voilà. Mais d'abord, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour avoir une admission. Et ensuite, revenir pour la deuxième partie de cette bourse-là. À plus les gars.